Les trucs. Les ragnagna. La rivière de sang. Les coquelicots. L'armée rouge. L'alerte rouge. Je les ai. J'ai la vigie de ton rouge laine. Le rouge, c'est ma couleur préférée. C'est l'amour, la révolution, la force et la vie. C'est bizarre d'en parler. Oh, c'est dégueu. Dans les films et dans les vidéos, il y a plein de sang, c'est dégueu, la violence, la mort et tout. Alors que la règle, c'est la vie. Non mais ça se dit pas. T'as des règles ou quoi? Oh, j'aime pas quand on me dit quand t'as des règles ou quoi, et parce que quand les garçons ils ont leur humeur, leurs hormones, ben on leur dit rien avec leur voix qui mue, ils transpirent et tout, alors que nous les filles nous humilisent. Si je suis énervée, c'est qu'on m'a énervée, ça n'a rien à voir avec mes règles. En vrai, ce n'est pas une excuse non plus pour les garçons. Moi, ma mère, elle m'a dit c'est pas une maladie. Pour moi, rien n'a changé. Je suis toujours la même. Pourquoi ça devrait changer? C'est comme d'habitude. Moi, je voulais pas changer, je voulais pas grandir. Au contraire, on se sent grande, ça développe le cœur. On n'est plus une petite fille, c'est l'euphorie. Moi, ça m'a pris par surprise. Je suis sortie de l'enfance. Après, je ne suis plus allée jouer dans la cour de récré avec les garçons. Je suis restée avec mes cahiers. Ma mère, elle m'a dit de faire attention aux garçons, mais ça n'a rien changé avec les garçons. Quand j'ai eu mes règles, j'étais contente. Je me suis sentie femme. Moi, je pensais qu'on les avait quand on était grande. Mais moi, je les ai eues, je faisais 1m10 et j'ai vraiment pas compris. Moi, la première fois, je pleurais. Mais j'ai pleuré de rigolade. Moi, je sais pas comment j'ai su. Je n'en parlais pas, on n'en parlait pas, personne n'en parle, c'est tabou. C'est bizarre d'en parler, ça se fait pas, je sais pas comment on change ça. Moi, j'ai peur de faire une tâche, ça me stresse. C'est une fois par mois et ça a une incidence sur ma vie. Je suis plus fatiguée et je me sens pas bien quoi. Parfois moi j'ai envie de me défouler. Il y a des pays où les filles ne peuvent pas aller à l'école pendant leurs règles et du coup, elles ne peuvent pas avoir la même chance que les garçons dans les études. En Espagne, c'est un motif d'absence, mais en France, si je mets ça sur mon billet, c'est vraiment trop la honte. Ça devrait pas être tabou. C'est normal, c'est la nature, on n'est ni seul ni inférieur. C'est même pas bleu comme dans les publicités, ça sent même pas de mauvais et non plus c'est même pas une rivière de sang, c'est quelques cuillères à soupe, c'est tout. C'est un signe que le corps fonctionne bien, c'est bien fait, c'est de l'horlogerie. Les garçons comme les filles peuvent en parler, il n'y a pas de problème à parler de ça. S'ils savent pas en parler maintenant, ça resterait compliqué et tabou plus tard. C'est quelque chose qu'on a une fois par mois, ce n'est pas qui on est. Et si tu comprends pas, t'as qu'à être une femme, tu verras qu'avoir ses règles, c'est pas ce que tu crois. Si je devais fixer les règles, ça serait d'arrêter d'être jugée et traitée par ce que je porte. Si je mets un short, je mets un short, je suis pas une pute, je mets un short. Les garçons, ils peuvent dire des gros mots et les filles, elles peuvent pas. Moi, je dis ce que je veux et j'ai pas envie d'être jugée par ce que je dis. Ni par ce qu'on aime. Une fille, si elle aime le foot, ça ne fait pas d'elle un garçon manqué. C'est une personne qui aime le foot, c'est tout. Ah oui, et faut arrêter avec les clichés. Genre, t'es une fille, t'aimes le maquillage. Il y en a qui aiment et d'autres pas. Il y a pas de jugement à avoir. Arrêtez de dire que les filles aux cheveux courts ce sont des lesbiennes et que les garçons aux cheveux longs ce sont des fillettes. Ne pas juger au premier regard. S'occuper de sa propre vie plutôt que celle des autres. S'autoriser à penser différemment. À faire des choses différemment. À être qui on est, donc différent des autres. Accepter aussi le choix des autres. Parfois on fait ou on pense pareil que les parents, mais on peut aussi affirmer nos propres choix. Ne pas faire les choses pour faire plaisir. Respecter le droit à la parole et le droit de se taire, on peut parler comme on veut. Ding dong, quand je dis non ou quand je dis rien, ce n'est pas oui. À être bien dans sa peau, notre corps, notre taille, notre poids, notre couleur de peau. Accepter les filles dans tous les métiers, il faut que les filles elles se disent que c'est possible. Ding dong, et si je dis non, c'est vraiment non. Mais pourquoi on fait encore des différences entre les femmes et les hommes? On est tous différents, mais les différences de droits, de chance, ça c'est plus possible. T'as tes règles ou quoi? Bah oui, comme toi.